Chers internautes, bonjour. Bienvenue dans le monde étrange de la magie. Aujourd'hui sur la chaîne de Tour de Magie de Magique Pascal, je vais vous présenter un tour de magie particulier. En effet, celui-ci est l'un des plus anciens tours de manipulation avec des cartes, car celui-ci existe depuis le 16e siècle. Ici, je vous parle du bonneteau. Avec seulement 3 cartes, les charlatans escroquaient leurs victimes contre de l'argent. Je vous propose pour la première fois de visionner avec moi le concept de ce jeu du bonneteau. Pour vous placer dans le concept, j'ai ici 3 cartes. Une carte noire, une carte rouge et une carte seulement 3 cartes. La première chose que le manipulateur réalise, c'est un mélange simple afin de s'échauffer, comme ceci. Ensuite, la pratique est très simple. Il dépose sur le tapis les 3 cartes en commençant par la rouge, en la plaçant au milieu. Ensuite, une noire et encore une noire. Il déplace 2 cartes pour commencer, comme ceci. Et maintenant, il demande à sa proie de lui dire où se trouve la carte rouge. 99% des réponses sera celle-ci. Effectivement, car vous êtes très attentif. Cependant, n'oubliez pas que ce spécialiste de la manipulation des cartes a des flèches à son arc, parce qu'il arrive toujours à vous duper. Ici, par exemple, l'as est revenu au milieu, au centre. Ici, nous avons le 3. Et enfin ici, nous avons le 2. Incroyable, non? Ça va, vous êtes encore avec moi? Attendez de voir la suite, car je vais vous donner l'explication de ce qui vient de se produire. Pour faire simple, le maître de jeu a commencé à mélanger le jeu. Comme ceci. Ensuite, il a tranquillement déposé la carte l'as de cœur au centre, rappelez-vous, et les 2 cartes noires sur chaque côté. Cette vision a été figée dans votre mémoire, mais vous avez loupé un instant lors de l'échange, lorsque j'ai posé les 2 doigts sur les cartes. Un léger claquement des doigts a suffi pour que l'as revienne au milieu. C'est pas fort ça? Est-ce que vous arrivez encore à me suivre? Ça va, c'est pas trop compliqué? Si? Ce que je vous propose, c'est de faire un peu plus simple du coup. On va le faire avec 2 cartes, parce qu'en fait, la 3e carte, c'est celle qui fausse tout en fait, compte. C'est celle qui complique. Hein. Je vais le faire avec l'as et une carte noire. Je vais enlever une carte noire ici, et je vais garder l'as de cœur et le 2 de trèfle. Attention, ne clignez pas les yeux. Où est la carte rouge? 50 ici, 50 ici, aucune chance. Car la carte noire a déjà voyagé sur la table, comme ceci. Et un conseil, ne jouez jamais à ce jeu. C'est de la pure triche pour vous déplumer. J'espère que ce tour vous a plu. Likez, laissez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et pour les nouveaux, ben, abonnez-vous. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. En attendant, portez-vous bien. Allez, ciao les amis.